C'est quand même bien d'être à Paris, d'être dans l'institut d'enseignement supérieur et de pouvoir, bah, avec les étudiants, les amener au potager. On reçoit le monde entier ici à l'Institut Cordon Bleu de Paris et beaucoup, beaucoup de jeunes aujourd'hui ne connaissent rien de l'agriculture, du potager. Ils voient une carotte sortir de terre, ils ont l'impression de découvrir. Donc il y a vraiment une vraie pédagogie à reprendre. Et puis il faut que ça donne du sens, à ce que c'est que l'alimentation, parce qu'aujourd'hui il ne suffit pas d'avoir que les techniques pour savoir tailler les légumes, il faut-il savoir d'où viennent les produits, et d'autant plus avec les végétaux qui sont tellement à la mode actuellement. Je suis avant tout un cuisinier, ça fait 40 ans que je suis en cuisine, il y a 3 ans que je me suis mis dans l'enseignement, et je ne sais pas si je suis un enseignant. Par contre, ce que je sais, je suis quelqu'un qui a des convictions, parce que j'aime vivre mon métier dans sa globalité, et ça veut dire que voilà, il faut comprendre ce qu'on cuisine. Et donc aujourd'hui, il est important que nos étudiants, on leur donne des vrais messages. Le jour qu'ils vont repartir sur les 5 continents, on a 60 nationalités actuellement à l'Institut de Paris, et il est important que tout à chacun ait mis dans leur carte mémoire voilà, les techniques de la cuisine, oui, mais autre chose, les valeurs du métier, etc. Et ça c'est fondamental dans l'enseignement. Donc c'est pour ça que ce matin, on a un petit groupe qui est là-bas, avec une formation de pédagogie vraiment sur le parc éco-végétal, sur notre plantation, sur le jardin, et comment tout ça fonctionne. Et là, ça leur donne des idées. C'est ça qui est bien aussi, qu'on rapprend aux étudiants de venir au potager. C'est qu'en fin de compte, ça inspire. C'est là qu'on vient chercher la ressource même d'un produit. Quand vous tombez amoureux des beaux artichauts, là, comme tout à l'heure, on va en cueillir un, ils vont être tellement tendres. Quand on prend l'artichaut, il a plein d'eau, il a plein de sève, qu'est-ce qu'on prend? On le coupe, on le goûte naturellement, on a envie de le manger cru. Oui. Donc on cuit beaucoup moins les légumes, tout change. Parce que finalement, on a tellement l'habitude de manger, je le vois avec les aubergines. Oui. Les aubergines, la plupart du temps, on les met dans une poêle, c'est une éponge à huile. Oui. Toutes les aubergines que je cueille ici, elles ne pompent pas une goutte d'huile parce qu'elles sont tellement concentrées encore d'eau, de fraîcheur et tellement denses que le produit n'absorbe rien. Et ça change tout. Au tout début, on a fait des dégustations avec Chef Griffard pour vérifier que le substrat avait les bonnes valeurs gustatives. Donc j'avais fait des radis de 18 jours pour vérifier la qualité du substrat. C'est pas simple, du parce substrat. Que je Joël Thiébault, qui est un fameux maraîcher parisien, il me dit « Tu vas voir, avec peu de substrat comme ça, t'auras pas de goût dans tes carottes, etc. » Et il a été très bluffé le jour que je l'ai fait monter pour la charte de la saisonnalité. Monsieur Thiébault, parmi les maraîchers, c'est quand même une valeur au niveau gustatif, au niveau qualité des légumes. Et c'est vrai que chez Ecovégétal, on a travaillé des substrats artificiels parce qu'on doit être léger. Ici, on a le droit qu'à 240 kg au mètre carré à saturation d'eau. Donc on a dû faire un substrat léger. Et puis on a développé plein de petites astuces qui vous surprennent toujours, chef. Par exemple, le paillage, on le renouvelle en permanence. Honnêtement, moi, je n'y croyais pas tout au début. Quand je suis monté il y a 2 ans et demi sur le potager, que j'ai vu ce peu de substrat, j'ai dit « Putain, les tomates, je vais attendre 5 minutes avant d'avoir des fruits. » Et l'année dernière, on voit les tuteurs, mais qui penchent par le autant de fruits mûrs, des tomates jusqu'à 500 grammes pièce. Donc ça m'a bluffé complètement. Sans engrais. Sans engrais. Il faut vraiment, parce que ça, voilà. C'est un travail qu'on fait. En fait, on travaille beaucoup sur la fertilité du sol et les apports d'amendements. Et on préfère les faire de manière régulière, en début de saison et en cours de saison. Et en veillant à une chose, c'est qu'on a un poids à respecter. Parce que c'était un bâtiment qui était sur une dalle existante. Donc il ne faut pas rajouter du poids. Et donc, on mesure le poids du substrat en fin d'année. On a fait une maquette pour montrer les différentes couches qui permettent tout le dispositif. Et donc on a une natte à rétention d'eau qui est posée sur l'étanchéité, qui permet de retenir de l'eau. On stocke l'eau aussi dans les drains. Et quand on est en pleine sécheresse, on apporte un peu d'eau par des tuyaux qui sont dans les drains. Et donc l'eau stockée, elle remonte par cette natte mèche avec les fibres comme ça qui trempent dans l'eau, qui transmettent au-dessus du filtre, au substrat, l'eau,
Et donc, par capillarité, après, la force de succion des racines fait monter l'eau. Et donc, il y a plein de petits capillaires dans nos substrats qui permettent de remonter l'eau jusqu'au niveau de l'horizon racinaire. Je regardais le potager en pleine terre qu'on avait fait l'année dernière chez Ecovégétal. Et celui-ci, on avait de l'œdium alors qu'il est en pleine terre. Et ici, on n'a pas d'œdium parce que l'eau, elle vient par en dessous. Tu vois l'œdium, cette petite maladie enfin, qui s'installe comme ça sur les feuilles et qui blanchissent les feuilles. Ici, on n'a rien du tout. Tiens, regardez, il y en a encore un là. En fin de compte, il y en a... Ah non, mais c'est regardez. Plein. Il y en a plein, en fin de compte. Et c'est marrant parce qu'ils passent dans la natte. Hein. Ils traversent la natte. Ouais, ouais. C'est l'aboutissement... de 15 ans de travail sur le substrat, l'irrigation par capillarité, sur l'association des plantes. Mais c'est un aboutissement qui est fait de beaucoup de pratiques, d'expériences. Comme le disait Chef, c'est du travail de terrain et on ne peut pas le définir par des équations. Mais par contre, il y a des choses très simples, comme la couverture du sol. Là, on a un peu de paillage. Et quand on soulève le paillage, je prends toujours le substrat. Et Chef, ça lui parle énormément. C'est quand on sent le substrat, qu'on a l'impression d'être dans un sous-bois. Le substrat, il sent la forêt. Là, on sait qu'on est dans le vrai. Parce qu'on sait qu'il y a un mélange... de bactéries, de champignons. Il est aéré. Il est très aéré. C'est vrai que mon grand-père, non seulement il sentait la terre, mais bon, c'était vraiment le paysan. Mais vous voyez, et il goûtait même la terre. C'est marrant. Hein. Bah, on peut, hein. Ouais. Franchement, c'est pas... Elle est belle, elle est humide, ouais. Il est humide, le substrat, là, regardez ça. C'est vrai que c'est... Et ça, il y a... pas du tout de produits chimiques, il y a absolument. Ce qui fait que vraiment, on l'entretient, c'est ça hein, le patrimoine de ce potager.